mes choucrouloutes, j'espère que vous allez bien. Suite au sondage que j'ai fait sur mon Discord pour savoir si ça vous plairait d'écouter les sessions de JDR, enfin mes sessions de JDR, et ben c'est parti. Donc tout d'abord, je vais juste vous dire vite fait ce que c'est qu'un JDR. C'est un jeu de rôle, voilà, c'est l'abréviation de jeu de rôle, où on joue un personnage dans un univers donné, et il y a un maître du jeu, en l'occurrence ici Ruru, qui prévoit tout, les quêtes, les PNJ, etc., etc. Et nous, on a un seul personnage, et en plus on doit lancer des dés pour savoir si on réussit ou pas nos actions. Ça donne parfois des choses très comiques. Donc comme c'était le début de la saison 2, qui s'appelle Stories of Equestria, je me suis dit que c'était le moment pour vous montrer tout ça. Je vais vous faire un petit récap vraiment très 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 condensé de la saison 1 qui s'appelle Last Winter. Mais il faut vraiment que vous vous mettiez en tête que Last Winter ou Stories of Equestria, c'est la même chose. C'est juste saison 1, saison 2. Donc le contexte, déjà ça se passe dans l'univers de My Little Pony Friendship is Magic, donc la génération 4 de My Little Pony. Si vous ne connaissez pas, c'est disponible sur Netflix. Et puis si vous vous en foutez, c'est pas grave, tout ce que vous devez retenir, c'est que c'est des petits poneys. Voilà. Le contexte de Last Winter est le suivant. Le racisme et le spécisme des poneys et des autres peuples les uns envers les autres ont plongé le monde dans un hiver éternel. Je jouais Stormice, un bad pony complètement déluré, sans aucun tact, mais très fort en combat, très porté sur le cul car esclave sexuel à la base. Accompagné d'un griffon, Griff, de son vrai nom Jérémy, d'un licorne, Winter Ruby, d'une minotaure, Brittle Spine, et d'un zèbre, Zimaa, ils ont contribué, en allant de village en ville, à rallier les nations pour pouvoir vivre comme dans les légendes de l'ancien temps. C'est-à-dire en paix et en harmonie. Étonnamment, ils ont réussi. Et pourtant, vu les bras cassés à la base, c'était pas gagné. Chacun ajoutait sa pierre à l'édifice. Zimaa et Storm se sont mariés. Winter a fini avec la princesse Luna. Brittle a retrouvé son époux et Griff avait une relation avec une capitaine rencontrée sur la route. En réussissant à sauver beaucoup de monde et à amener la paix, nos cinq compagnons sont devenus des légendes. Dans Stories of Equestria, la saison 2, le JDR que vous allez suivre, cela se passe une centaine d'années après Last Winter. Et nous jouons d'autres personnages qui, ma foi, vont être haut en couleur. Je joue avec trois autres personnes, Galzra, Lucky et Golden, et notre maître du jeu, Ren. Je pense que c'est important de le dire. J'espère que vous apprécierez. Je rappelle que je ne fais pas de montage, donc vous allez vraiment avoir tout le JDR, et les sessions peuvent durer de 2 heures ou 1 heure jusqu'à 4 heures, donc vous prenez de quoi grignoter, vous regardez ça par petits bouts, vous regardez ça avant de dormir, vous faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de regarder non plus, mais si vous êtes curieux, n'hésitez pas. Et il y aura vraiment tout, donc nos trolls, nos réflexions, le hors-RP, etc., etc. N'hésitez pas à me faire vos retours, à savoir si ça vous plaît. Les épisodes sortiront le samedi midi ou matin, ça on verra, puisque nos sessions sont le vendredi soir. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager, mettre un petit j'aime, vous abonner, machin, tout ça. Et surtout, laissez un petit commentaire parce que ça fait zizir d'avoir vos retours sur ce des cœurs et des paillettes. Et le premier épisode sortira samedi 12 juin. Sur ce, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Et salut !